Paris pour Christ, Paris en feu, en compagnie de la sœur Sandra Bouilly, Goodness Tour, le peuple de Paris vous êtes béni. Une seule date, le 23 février 2024. Le Seigneur Jésus-Christ se glorifiera. Elle a même organisé un jeu concours afin de faire gagner 5 billets à 5 personnes. Un rendez-vous à ne pas rater, s'il te plaît. Prends déjà ton ticket, que des bonnes nouvelles du côté du couple Mongongwa. Le frère Jonathan et la sœur Faveur en featuring Béni de Dieu, une merveilleuse chanson. Donc la sortie officielle est le 19 janvier à 18h. Nous sommes impatientes. Exclusivité musicale Tiangaka de la sœur Eunice Manyanga. Que Dieu la bénisse abondamment et richement. Un extrait qui bénit déjà le corps du Christ. Un extrait qui vous accompagne dans vos moments intenses, dans vos moments intimes avec le Seigneur, dans les supplications pour dire à l'Éternel, Seigneur, regarde mon cas. Qu'est-ce que tu en dis? Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. En un mot, ça signifie « souviens-toi de moi ». Sénégal pour tous. Célébration extrême, la personne même du Saint-Esprit sera présente. Dieu se glorifiera à travers ses servantes. Un rendez-vous à ne pas rater. Les sœurs Faveur, mon coco que vous connaissez, qui n'est plus à présenter, sera présente à la célébration extrême. Papa, maman, tonton, yaya, petite sœur, prends déjà ton ticket. Il n'y a plus de tickets de 5 000 qui étaient des tickets standards. Actuellement, les tickets qui sont disponibles sont des tickets de 10 000, 15 000, 20 000. 2024, c'est notre année. On commence l'année avec dévotion, l'album de la servante de Dieu divine. Osombi dira une véritable adoratrice de Yahweh, de Jésus-Christ. Je vous prie de consommer cet album sans modération. L'album est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. L'album est composé de 6 titres. Bienvenue au roi avec toi. Nyosoyanga, ta volonté. Et enfin, Yoshinji, que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Consommez l'album sans modération. Et oui, le Sénégal est béni en compagnie de son serviteur, pasteur Lode Lombo. Il ne sera pas seul. La sœur Sandra Mbouilly fera partie également de l'équipe. Elle sera présente. Elle partagera la scène avec le pasteur Lode Lombo. Le Seigneur Jésus-Christ se glorifiera. La présence de Dieu se manifestera dans une autre dimension de puissance. Peut-être que vous avez eu l'occasion d'être présente lors des concerts organisés par le pasteur Lode Lombo ou Madjavu Gospel ou encore la sœur Sandra Mbouilly. Mais cette fois-ci, ça sera différent. Le Seigneur va opérer autrement. Donc, soyez présents. J'aimerais être à ta place, toi qui es au Sénégal. Toi qui es aux alentours du Sénégal, cours vite, va déjà prendre ton ticket, car ce sont des merveilleux moments à ne pas rater. Comme je le disais, ce sont des merveilleux moments si Dieu vous le permet d'avoir quelque chose. Ce sont des moments à ne pas rater. En famille, même étant célibataire, qui sait, peut-être que tu rencontreras l'homme de ta destinée, l'homme de ta vie pendant ce concert. Donc, viens célébrer le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans l'exclusivité musicale. Nous allons de l'autre côté de DC. La sœur Déborah aura un concert le 16 mars. Dieu se glorifiera également de l'autre côté des États-Unis. Les États-Unis sont également bénis. L'année commence très bien avec Jésus-Christ.
que des célébrations à l'honneur de notre Dieu, un moyen de rendre les actions de grâce pour celui qui nous a gardés pendant les 365 jours. Que donner à Dieu? Qu'est-ce que je peux lui donner? Rien que mon temps en lui célébrant en compagnie des autres bien-aimés dans le Seigneur. Waouh!